Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un très gros glitch qui va vous rapporter énormément d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter sur la map Race Color Switch, le code sera en description en commentaire épinglé, donc essayez de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map tous les jours pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'XP sur cette map. Alors ensuite, pour le glitch d'aujourd'hui que je vais vous présenter, ce que vous allez faire, c'est donc aller dans code de l'île et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 17801350650506. Donc voilà, bien entendu, le code sera en description, en commentaire épinglé aussi. Donc là, vous acceptez, vous lancez le jeu en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. Et en attendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font. Franchement, ça fait super plaisir. Et bien entendu, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et même mettre un petit message, un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, quand vous êtes arrivé dans la map, vous appuyez sur option, vous allez dans le menu, vous lancez le jeu. Vous attendez que le jeu se lance. Ensuite, on va aller chercher le pistolet de Chimera. Parce que ben voilà, hein, moi j'aime bien utiliser ce pistolet. Donc c'est parti. On va le chercher, il est juste là. On va le prendre en plusieurs exemplaires. Hop, voilà, on va le prendre en 4 exemplaires, je peux pas. Ok, voilà, je l'ai pris en 4 exemplaires. Ah, bah, je peux pas. On va le prendre en 3, tant pis. Alors ensuite, pour un glitch d'XP AFK, vous allez tout simplement interagir avec les boutons. Voilà, comme ceci, les boutons de Reset Build. Voilà, vous interagissez avec les deux. Comme ça, ça va vous faire de l'XP en illimité en AFK. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est... Par ici, il y a le bouton. Pourquoi? Attendez, parce que je sais pas pourquoi... Ah non, c'est pas en AFK. Ok. Ouais, non, c'est peut-être pas en AFK. Il faut peut-être tout le temps interagir avec le bouton pour avoir de l'XP. Mais bon, voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Mais bon, c'est pas vraiment ça le glitch. Donc là, regardez, il y a le bouton code créateur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retourner et vous allez aller vers la droite, juste ici, donc à droite du petit œuf. Donc là, attendez, parce que j'ai noté. Voilà. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre ici, à droite du carré, enfin à droite du sol. Vous allez mettre deux rampes, deux rampes. Ensuite, vous allez mettre trois sols, comme ceci. Voilà, en coin. Donc ici, quand vous allez passer sur les plateformes, regardez ici, ça devient bleu. Donc votre personnage devient bleu. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement taper une petite émote sur les trois plateformes. Une ici et une ici. Voilà, comme ceci. Quand vous avez tapé les trois émotes, vous allez dans le coin ici. Et là, il y a un bouton qui a apparu qui est marqué interagir. Vous interagissez avec ce bouton. Ensuite, vous allez tout simplement aller en face vers l'autre coin, donc à gauche de l'œuf, de spectateur. Et là, vous allez créer 5 plats. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous allez créer 7 rampes. 1, 2, donc bien sur la gauche, hein, regardez. Hop. Donc sur la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Ensuite, vous créez un plat juste au-dessus de la rampe. Et là, vous recréez 3 plats. 1, 2, 3. Ensuite, quand vous êtes ici, au-dessus de votre rampe, vous allez tout simplement tirer dans le vide, comme ceci. Et là, ça va vous donner beaucoup d'XP normalement. Voilà, 11 000. 8 000. Donc là, j'ai gagné plus ou moins 20 000, voire 21 000. Ensuite, vous allez sur la deuxième plateforme et vous tirez. Et ça vous redonne des XP, donc 10 000. 15 000. Voilà, là, ça m'a redonné 15 000 XP.
Donc on va aller sur la troisième plateforme. On retire 5000, 10000, 11000, 11000 XP. On va aller sur la quatrième plateforme. 5000, 8000, 10000, 11000. Je pense que c'est tout. Donc on va essayer de retirer sur... Donc là j'ai pris plus ou moins 50, 60000. Donc là on va essayer de retirer sur les plateformes pour voir si ça redonne de l'XP. Là non. C'est peut-être que je ne les ai pas vidés entièrement. Donc là non. Là non plus apparemment. Et la dernière. Non plus. Donc là j'ai pris... Ah si, la dernière elle m'a redonné 3000 XP. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quand vous avez fini le glitch, soit vous faites arrêter le jeu et vous relancez le jeu et vous faites ça en illimité pour débloquer beaucoup d'XP. Ou soit vous utilisez... Regardez, je peux retirer dessus, je regagne 6000 XP, c'est pas mal. Ou soit vous... Vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui va vous permettre de gagner 5 fois plus d'XP. Donc là, j'ai gagné plus ou moins un niveau avec ce glitch d'XP. Donc ça veut dire que si vous utilisez la technique qui sera en description, en commentaire épinglé, bah, vous pourrez gagner 5 niveaux. Voilà, et la technique secrète, elle fonctionne avec tous les glitches d'XP de Fortnite. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, si vous allez la voir si vous ne la connaissez pas. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.